F plus baguette, ça fait pistolet à mes steaks, donne 20% de mes ventes si je dis pas de bêtises. Ok. Vas-y, bah je vais build ça, je pense. Je connais que Diplol comme site, moi, Nico. C'est le seul site que je connais. Oh, c'est une duo en face. Tu flash. Oh, j'aurais tellement voulu avoir le kill. Les chances, ça invade chez nous en attendant. Ok. First Blood sur Way. Un peu tôt, moi. Faut qu'on déchire ce Smolder. Même ce qu'il a Leona avec lui. Leona Fortish. Bon, j'arrête de build statique sur Kaisa, ça pue trop sa mère. Voilà. J'ai tout ce que tout le monde pense tout bas. Hein. On arrête de build statique, on va faire Kraken. Oh, la vision, je t'en conjure. Il a la barrière, fait chier. Je voulais le tuer. Oh, quoi qu'il arrive, c'était de la merde de Rostepin. Bon, 3 KP, c'est bien pour les bots gratuites. Et pour le stacking de la Criti. Je crois qu'il s'est mis bien sur le move. On a pas mal trollé, mais ça va. On sort. Ils ont encore plus trollé en face. Clairement parti random sous tour les deux. Ça a mis bien. Nice. Niveau 3 Rengar topside. Cette force c'est des go-in. Oh le Q, le rate pas. Nice. Vas-y, on push la wave. Style en derrière, je pense. Canon wave. C'était un bon recall. C'est que niveau 2. La tristesse de l'eau. Attends, quoique, elle va tuer Camille. Hein. OMG, la goutte. Ok, il est obligé de reset, il laisse la wave dégueulasse, donc je vais pas troller à la repush. On va la garder bien comme il faut. Excel, ça. Juste pas qu'elle avance trop. Ok, nickel.
Ah, Shyvana survit. Je vais voir des CKM au Ringard d'essayer de venir bot side. Putain. On décrit pour rien. Ah, je perds le 1v1, après c'était dans la wave. Le problème c'est qu'il joue barrière. Du coup si je l'all in sur ce setup là, il a sa barrière et je vais mourir. Autrement j'aurais continué le fight, j'aurais gagné. Et on deny un peu. Il joue flit aussi pour le sustain. Trolling. Ok, nice. Vas-y, je grille de la plate. Hein. C'est pas très sérieux, mais. OF canon, je vais back. Merci, monsieur Kanish, pour les 4 mois, merci beaucoup. Faut pas win. La barrière encore de up. C'est chiant, moi j'ai mon recall on va dire. La barrière de up et si je flash il me flash et je meurs aussi. J'aurais peut-être dû trade. Je pense pas que je sois trop gagnant à trade mon flash king contre ce small 2. Non. Tristesse. Et on est passé 6. Stay alert. Stay aggressive. Ils ont 3 void grub, Rengar est top. Je pense qu'on peut le dive à 2. Hein. Ah, je n'ai même pas fait de cesse sa barrière malheureusement. Je sais juste pas où est Léo. On va essayer de donner le kill. Je voulais pas le donner à Rengar, je voulais le donner à Leona et je voulais aussi potentiellement essayer de tuer, tuer Smolder si je pouvais. Rengar a su le récupérer. On a eu le Drake ou pas? On a eu le Drake. Ah c'est my bad, Pyke est parti. Je m'attendais à ce qu'on vienne et justement que je mette des gars sur Smolder pour motiver Shyvana à aller le dive, mais l'arrivée de Rengar nous a un peu baisé. Pas essayer de flash pour kill le smolder, non, j'ai pu à la toute fin, mais je suis mort à la même frame, enfin je me suis stun par Leona je crois à la même frame et je suis mort. Sinon j'avais pas la range avant. En fait si je keep dès le début, il a barrière la dernière auto-attaque donc bah je meurs de la tourelle et je peux pas le tuer. Et après j'ai pas d'opportunité. Thank you.
Nice, on donne pas le kill à Rengar. Ma Kraken. Faudrait. Ouais, je vais prendre ça quand même. Faudrait pickaxe. Plus de flash. On a vraiment besoin de jouer comme des fous, comme ça, je pense. Un peu. Pas nécessaire. On va chill. Là, je trade kill un peu en boucle, ce qui est fine, mais je sais pas si je suis trop gagnant. Je pense qu'on peut jouer ça plus proprement. Il va faire la tech où il appuie sur Z à la fin du recall. Il a eu la zone, non, sans doute. Hein. Le troll en Smolder. Ok, j'ai une plate à récup. Est-ce que je gagne un 1v1 contre Rengar? Bon, il est top quoi qu'il arrive, donc ça va. Je pense pas que je win. Hein. Yona a complètement donné la botlane. On va back hein. J'ai stack mon Kraken avant de dash in pour pouvoir justement mettre l'auto-attaque Kraken histoire d'optimiser au maximum mes chances de le tuer. Ok, nickel, on a réussi le cancel. J'ai flash, il a flash en même temps ou pas? Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai flash déjà. Je crois qu'il a flash en même temps que moi, non? Ah, je pense que je vais mourir de Rengar. On va finir par mettre un pied au bot, se rendre compte que c'est free kill. Ouais, ouais. C'était sûr. Je crois qu'on a flash en même temps, je me rappelle plus mais... Quand tu la dev sous la T2 il y a flash aussi je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il y a flash. Ah, c'était sûr que Rengar allait arriver, faut pas rater le cancel. Nice. Ils sont pas évidents ceux-là. Ok, j'ai l'ult. J'ai l'opportunité, je l'all-in. Hein. Step in déjà pour le zoner de la tourelle. Alors je pense que c'est wardé, mais... Apparemment pas. HP, tout est sous contrôle. Petit misplay de ma part, j'ai mis un très mauvais Z. En fait, j'aurais dû use mon Z pendant mon ult. M'étonnerait que je m'en sorte. Hein, mais... Ok, nevermind. On est debout. Aise.
Ok, on est fed maintenant deux items, on va pouvoir se poser mid, voire top. Je pense qu'on va aller mid. L'Herald est up, on a des Void, on a 0 Void. Faut que je monte un tout petit peu la musique d'ailleurs parce qu'on n'entend rien. Je me dis, même moi j'entends rien, et déjà quand j'entends vous me dites vous entendez pas. Brûlé par le feu du dragon. Ah c'est mieux. Troisième item dans Nashor. Ma game, j'ai l'impression que je passe ma vie à trade kill et jouer comme un fou, frère. Ouais, c'est un peu ça, hein, mais. Je crois pas que Rengar ait flash. Je repars mid. Il y a combien de stacks? Je crois qu'on est à 16 minutes et qu'il y a toujours pas 125. Je le vois. Ok, Herald mid, j'aime bien. Ouais, j'avoue que c'est vraiment faible. C'est que c'est Gotthes le hook qu'il a mis Pyke. Il a hook Rengar mid air. Ça m'a tellement sauvé la vie. Enfin, ça m'a pas sauvé la vie, mais ça nous a vraiment permis de gagner le fight. Plus de flash à Ridi. Nice. On a le gré du W. C'est quoi dragon et steak? Pas mal hein. Oh attends, ça marche ça? Non ça marche pas. J'essaie de cancel l'upgrade de mon W avec la gate. Merci, ne me vole pas s'il te plaît parce que je t'ai laissé le raid. Je t'ai pas fait chier. Gardons une bonne ambiance dans cette équipe parce qu'à tout moment ça run down. Hein. Tout droit mid. Hein. Ça marche une fois dedans? Ah tu peux, ok, faut que je fasse avant de le prendre. C'est pas pinké. Arraché. Je suis mort. Hi, 3 HP encore. Oh sa mère. Not even... bah, je peux pas aller au Nash avec vous les gars, hein. Je suis désolé de vous le dire hein, mais...
C'est définitif fuck statique. Hein. Je vais vous aider Nash, c'est pas trop tard. Rien pour l'aide d'équipe. Ah c'est Shyvana. Ouais Shyvana AP. Donc 15 secondes mon ult. Bien go sur un mec mais... Il y a ulti ou pas, vous pensez au bot là? Ok, je repouche, j'avoue que j'ai pas de sustain, c'est le seul problème de mon build là. Mike m'a abandonné. Le gros dragon a tué le petit dragon. Ok, le Zonia est gotesque, ça va pas suffire mais... Le Zonia était gotesque. Alors après avoir fait les 3 items, tu pars à Rabadon, tu joues en hit comme tu fais, et ça dépend des setups. Ça dépend de ce que ta team a besoin et ça dépend de la compo adverse. En gros, quand on a des compositions squishy, c'est bien de go AP pour aller chercher du one shot. Et des compos, tu vas beaucoup plus pouvoir auto-attaque. Là typiquement ils ont 7 Rengar et Leona donc avec pas mal de frontliners. C'est bien de partir en hit parce que tu vas mettre pas mal d'auto dans les fights et... Globalement AP c'est contre Squishy. Et là aussi on a beaucoup d'AP dans la team donc c'est un peu du griff. Même si j'ai quand même pas mal de dégâts AP overall. Je viens quand même d'essayer de pas en avoir trop. Ah, j'aurais peut-être du clan, j'ai hésité. C'était juste un stun Leona, juste un Q, elle m'a pas hit avec l'ult, j'ai pas pris, je voulais le garder pour le bidouari mais... Ah, j'aurais été beaucoup plus tanky avec Terminus là. C'était pas très bien joué de ma part ça. Après j'aurai ma clan pour le prochain fight, s'il y en a un. Shyvana c'est pas genre la cousine de Smolder? J'en sais rien parce que c'est deux. Les deux ont un lien avec des dragons, j'en ai aucune idée. Y'a pas de quête d'ailleurs Shyvana Smolder, y'en a une au rayon sol Smolder. Mais... Ouais j'ai 4 items, je vais split top. Que ceux qui ont des couilles viennent m'arrêter. J'ai pas de sustain. On a pas de drake d'eau, on a rien pour ce heal up là.
Nice. J'en ai marre d'être perma slow. C'est quoi, à chaque fois j'invise et je suis slow par des merdes, genre. Y'a quoi qui me slow? Y'a le strike du 7. Le Z Smolder. Le Rengar. Bon, Rengar était mort là. Je vais profiter un peu de cette game encore, l'équipe. C'est Z Smolder qui pète les couilles en fight. Je peux pas créer de la distance chaque fois que je veux. Toujours slow, je suis invisible, on me tape pas, mais. Moi je me casse, je vais mourir. Il a fait esquiver mon W. Ok, théoriquement c'est un gars go in. Personne qui tue ce sera pas moi. GG. Ok, nice. Ah, j'avais ri pour le Atrox qui est perma chat. Je veux pas qui. Du coup, tu as gagné des sens de mots que t'as pris avec toi de la journée. Et là, c'est bon.